e vorba de Aristotel. De fapt, cu numele întreg și îmi face plăcere să-l spun întreg, se numește Cristina Aristotel, de la Universitatea Liberă din Bruxelles, dar, bineînțeles, de la Universitatea din București, care ne va vorbi despre amor și Thanatos pentru o mitologie populară românească. La Thanatos se pricep mai mulți. Cu dragoste nu la fel de bine, așa că o așteptăm pe Alice să ne povestească. Să încerc una printr-o trecere. Peut-être que je vais parler aussi un peu en français et en anglais aussi. Une précision, c'est que le titre pourrait induire une confusion. Ce n'est pas pour une mythologie populairement dans le sens d'origine. Mythologie humaine, d'ailleurs, Kouliano, que je vais citer tout à l'heure, il nous indique qu'il est impossible de préciser la source de la mythologie en tant que source romaine. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une protoconie ici, mais c'est plutôt dans le sens qui apparaissait aussi dans la conférence de Christina tout à l'heure, essayer de trouver la spécificité roumaine pour la thématique que je propose en l'occurrence. Tout est dit dans le texte, et ici peut-être que je vais pas faire la lecture entière des citations que je donne. Je vais tout simplement mentionner que ma démonstration repose sur un tissu simple de la création populaire roumaine qui est en fait qui tourne, qui est centré autour du personnage et de ses actions. Donc, narratologie, personnage, action. Et à partir de cette hypothèse, en fait, je vais construire ma démonstration sur une méthodologie praxolinguistique qui me permet en fait de vérifier l'hypothèse que j'ai dans ce cas. Il en asunciana, donna florilor, chagaroapelor, sora soarelui, spuma laptelui. C'est le personnage féminin que je vais avoir au centre de mon analyse. Et le personnage masculin, on va voir les ressemblances et les différences. Cine a cunoscut, cine mi-a văzut, mândru ciobanel, tras printr-un men, fețișoara lui spuma laptelui, fețișoara lui sticul grâului, perișorul lui pana corbului, ochiușorii lui murată în poltului. Je me suis déjà intéressée à la mort et à Thanatos à partir en particulier de quatre textes populaires romains et j'ai essayé de les mettre en rapport avec les grands passages. Pour aujourd'hui, ce que j'essaie de faire est de chercher un biais, un croisé entre le deuxième grand passage et le troisième grand passage, comme on les connaît dans la mentalité populaire roumaine. Et pour ce faire, comme je l'ai déjà anticipé, je propose trois étapes. Une première étape qui est une pré-analyse
qui repose dans, sur une identification de type méta-analyse. Et ensuite, je passe à l'analyse type discursive, praxo-linguistique, pour ensuite faire appel à une logique mixte qui croise la logique argumentative et la logique symbolique pour pouvoir soutenir l'analyse. Alors, l'hypothèse que je fais, en fait, est qu'il y a dans la mort et dans le thanatos, en fait, une métamorphose, un enchantement et un désenchantement. Et cette opposition, en fait, est possible grâce, en fait, au principe de contraria similitudinis. Et l'opposition des contraires, en fait, nous permet de réexpliquer la métamorphose et la démétamorphosation de l'image sur laquelle repose le mythe Amor et Thanatos. Je vais faire référence à quatre textes littéraires, comme j'avais dit. Il s'agit de deux contes de fées et de ballades. Les contes de fées sont Tinerețe fără pătrânețe și viață fără de moarte et Milana Sânziana. Les deux premiers contes de fées enregistrés, en fait, tous les deux dans la même collection de Petre Ispirescu, paru à la fin du XIXe siècle. Et les deux ballades, Cântece de Bătrânești, sont Soarele și Luna et Miorița. Pourquoi cet croisement entre le conte de fées et la ballade? C'est peut-être ici qu'il n'y a pas vraiment de croisement qui soit déjà fait. C'est parce que Basse Modeste est un jeune basse qui est à la fois de mythologie et de l'éthique, mais aussi de l'observation scientifique. Et la ballade, elle constitue, selon les folkloristes, une vraie synthèse, une institution de l'esprit populaire roumain. Aussi, sur la base des textes, des contes de fées et de ballades, je peux identifier en fait la présence d'une mythologie qui se crée, comme je viens de dire, qui se construit et déconstruit autour des personnages centraux principalement, mais aussi au fil narratif et sur la base des actions de ces personnages. Pour mes étudiants qui ne sont plus là, j'avais repris un peu les synthèses des contes de fées avant de passer à l'analyse. Je vais sauter. On connaît tous ici Ilana Sânziana, Tinerețe fără pătrânețe și viață fără de moarte, Soarele și Luna și Miorița. Ilana Sânziana reste impassible devant l'amour du personnage qui essaie de conquérir son amour pour choisir en fait l'amour du prince charmant. Mais pour arriver à cette possible réunion, en fait, il faut passer par une métamorphose. Et ici, c'est un parallèle intéressant entre la ballade, Soirée et le chemin, et le conte de fées, Ilana Sânziana.
Tandis que la métamorphose dans la balade passe de l'espace terrestre à l'espace céleste et la non-union et la suite de cette métamorphose, dans le conte de fées, la métamorphose est à l'inverse, on reste dans l'espace terrestre et l'union est possible. Je ne vais pas citer les extraits, vous les avez sous mes yeux. Et dans les deux cas, en fait, la métamorphose est possible grâce à l'intervention sacrée. Et cette intervention est une intervention sur demande du personnage dans le cas de la balade. Et par contre, dans le cas du conte de fées, il n'y a pas de demande express, mais l'intervention est présente de toute façon. Je reprends ici une explication symbolique de la balade sur les Chimbuna, telle qu'elle apparaît chez Pugliano. Pour dire, en fait, ce que j'avais mentionné tout à l'heure, on peut peut-être identifier des éléments d'une mythologie romaine, mais qui ne sont pas nécessairement identifiables sur les sources qu'on a disponibles. Mais ce qui fait le dénominateur commun de ces mythologies est la présence de coincidentia oppositorum, et c'est sur cette opposition que je vais ensuite reposer ma parallèle entre l'amour et Thanatos. Si je passe maintenant à l'analyse praxématique des deux autres œuvres populaires littéraires que j'ai choisies, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte și Miorița. Je vais tout simplement faire appel à une analyse qui repose sur un modèle que j'avais promis pendant mes études à Genève et que j'ai considère intéressant pour ce que je propose maintenant. Oui. Alors, j'avais l'impression que le partage d'écran. L'objectif qui est central dans l'action des personnages des deux œuvres sont en fait des objectifs opposés, si on peut dire ainsi. Si le prince charmant est à la recherche de la vie sans mort, le berger, il est au contraire prêt à rencontrer sa mort. Et d'où vient cette opposition en fait entre la position des deux personnages sur la mort? Peut-être si on suit cette fois-ci le fil narratif en parallèle des deux œuvres, on voit en fait que le prince charmant, il passe par toutes les étapes de la vie et l'étape
marqué la table de la naissance, même annonce l'orientation qui ne sera pas une orientation congrue avec l'étape finale de la vie. Le berger, par contre, il se place directement à l'étape finale. Je parlais des grands passages, naissance, amour et mort. Et donc, il est à l'étape finale, tout en sautant les étapes intermédiaires. Et présence de l'incompatibilité entre le cycle normal de la vie et l'étape manquée fait que son positionnement par rapport à la mort est différent. Si le prince charmant transgresse les coordonnées spatiales et temporales, le berger, il ne cherche pas à aller au-delà de la nature humaine, mais il reste à l'intérieur du cercle des coordonnées spatiales et temporelles pour essayer à passer d'un destin individuel à un destin collectif, en fait. Et si je fais maintenant un peu le parallèle entre les deux passages, entre les deux personnages, ce que je peux dire, et j'ai oublié de passer au roman finalement, je suis restée de le passer, mais je le fais maintenant comme conclusion. Par cordel marile trece, eroul narrativ de bas sau banală, retrasează origini ancestrale și mituri subsidiare. Făt frumos, natură umană excepțională, se metamorfozează tonic, Ileana Sintiana, din dragoste pământească sau se metamorfozează celest, în tinerețe fără vărnicență și viață fără de moarte, din dragoste de nemurire. Astfel, Ileana Sintiana transgresează mitul iubirii imposibile prin intervenția divină. Văd frumos, reușește să-și depășească prin propriile forțe condiția umană, dar tot prin propriile forțe și prin propria voință se întoarce la condiția umană. În tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ipotetica păgăduință împărătească a nemuririi, taci, fătul meu, că tinerețe și viață fără de moarte. Ceea ce în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte se constituie în alternative succesive, este păstrată în Iorița ca alternative concomitente. O înțelepciune tinerească, eroică, pripită, este înlocuită de o înțelepciune bătrânească așezată calmă. Deși vârsta personajelor este inversată, un decalaj între vârste reale și vârste intelectuale. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte nu se încheie cu nunta împărătească a eroului Tonos, numa călătoriei sale și a găsirii iubirii, ci continuă cu ceea ce putem numi călătorie inversă, îndreptarea greșelii, de metamorfozarea personajului. Vă mulțumesc.
Amor și tanatos se declină într-o componentă bipolară, hieratică și profană, coincidența contrariilor, atragere sau respingere, depinde de orientarea și lectura magnetului uman dublu imbricat. Mecanismul punerii în comun este explicabil pe principiul magnetic, aspirația spre spiritualitate sacră, iubirea astrelor în Ilana Sângeana, sau nemurirea, întinerețe fără patrimențe și viață fără de moarte, intră în natura umană duală, sacru și profan. Moartea, nemurire, întinerețe fără patrimențe și viață fără de moarte și iubirea, neînsoțire în soarele și luna, apar drept consecință a exacerbării componentei umane heratice. Moartea individuală ca viață plurală în Ioriza și iubirea contingentă ca soluție de compromis în Ilana Sânziană sunt măsură profană a componentei umane. Tonic și celest, hieratic și profan, amor și tamatos, sunt poli magnetici ai ființării complexe care se resping sau se atrag în mările trece, întâlnindu-se coincidenția opozitorul în umanitate. Este concluzia, o bibliografie în care redau sursele textelor și câteva dintre sursele pe care le-am folosit pentru asta.